Bonjour, maman. Bonjour, mon garçon. Oh, vous avez pas fait le lavage. Vous étiez encore au lit il y a deux jours. C'est pas moi qui ai fait le lavage. C'est la laveuse. Ah, on n'est plus à l'époque de la planche à laver, mon garçon. Mais je me sens tellement plus forte aujourd'hui. Il était temps. Je commençais à me décourager. Un matin, là, j'ai repris goût à ma maison. À l'ouvrage. C'est bon signe, ça. C'est bon signe, c'est certain, mais... Tel que je vous connais, là, vous pouvez aussi bien en faire trop pour vos forces. À propos, c'est demain que vous passez vos radiographies pour vos poumons? Oui. Mais pourquoi vous attendez pas les résultats au lieu de vous garocher comme ça à travers la maison? Il faut pas oublier que c'est Pâques dans quelques jours. Ben oui, maman, vous avez encore le temps. Savez-vous que vous êtes moins raisonnable que tous ceux que vous avez soignés dans votre vie? Ça, c'est vrai. Oh, mais tu sais que pendant quelques jours, hein, j'en venais pas là. C'est pas souvent dans ma vie que je me suis sentie aussi malade de même. Tout ce que je pensais à faire, là, c'était de me coucher puis de dormir ben au chaud. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Hey! Ça va faire 7 jours demain. Faut que je reprenne mon train-train de vie. C'est tellement putain de désordre ici dedans. C'est pas rassurant, hein? Oui, puis ça n'a jamais fait mourir personne, ce moment de désordre. Tandis que si vous continuez... Je suis tannée de rester à rien faire. Faut que je m'active. Je te promets. Je te promets que si je me sens un petit peu fatiguée, je vais m'installer dans la chaise longue de ton père. Hein? Oh, à propos de ton père, faudrait que tu vois qu'il se fatigue pas trop, hein? Il n'abuse pas de ses forces. Je n'y ai pas, lui, il est supposé faire attention. Mais il est prudent. Lui, il fait attention. Eh bien, tant mieux. J'aimerais tellement ça qu'on passe les fêtes de Pâques un peu plus tranquilles. Il me semble que depuis 2 ans, il n'y a eu rien que des tracas et des drames ici dedans. Ben oui, mais c'est la vie, ça, maman. Dans une famille d'adultes, là, aussi nombreuse que la nôtre, ça peut pas être un petit paradis 365 jours par année. Mais maintenant, il va falloir que je m'occupe de mon dîner de Pâques. Maman, vous n'allez pas recevoir tout le monde à Pâques. Pas après la pneumonie que vous venez de faire. Voyons donc, Joseph. Pâques, c'est le 11 avril. Il reste 14 jours. C'est tout le temps qu'il faut, ça. Est-ce que tu vas, Mathieu, Joseph? Ah, je vais à Saint-Thomas. Il s'agit d'un vieux client. Mais pour ce qui est du dîner de Pâques, on va en parler sérieusement avec les autres, hein? Joseph, si tu veux pas me faire de peine, là, s'il te plaît, mêle-toi pas de ça, OK? Mais Seigneur, maman, que vous êtes donc pas raisonnable. Faut que vous finissiez par vous mettre dans la tête que vous avez plus 20 ans. Ouais, ça, c'est vrai. Oh, vous êtes avant de partir, tu me rendrais pas un petit service? Oui. Changerais-tu les rondelles de caoutchouc du robinet de la baignoire? L'eau s'égoutte tout le temps, puis c'est assez fatigant. Oui, mais pauvre maman, je les ai changés il y a quelques jours. C'est le filage des robinets qui est complètement usé. Hein? Cette salle de bain-là, elle date de combien d'années? Oh, ton père me l'a promis, il va y voir dans pas grand temps. Bon, ben, faites rien sans m'en parler. Hein. J'ai mon idée là-dessus. Bon, ben, je vais vous laisser. Hein. Mais modérez vos transports, maman. Puis mettez-vous pas à terre pour Pâques. Là. Puis n'oubliez pas que notre petit Kevin s'en vient. Hein. Ça va vous faire un enfant de plus dans la maison, ça. Oh, cher petit homme, j'ai assez hâte de le revoir. Bonne journée, maman. Ah, ben, ça fait du bien de rentrer chez soi, hein? Mon père, lui, a préféré aller tout de suite à son bureau. Ben, je vous ai amené à bon port, hein? Ça m'a fait joliment plaisir. Vous m'avez manqué, là, tous les trois. Oh, ben, t'avais qu'à profiter de mon invitation puis venir nous rejoindre la fin de semaine dernière. Pas moyen, hein? J'étais de service. Oh, j'aurais donc aimé ça que tu vois notre installation dans l'hôtel de Pantano Beach. Ah oui? C'était tellement pas pour rire. Pauvre Monsieur Roy, t'as toujours l'air de lui faire des reproches. Oh, ben, il prend le pas en pitié. Il adore se faire taquiner. Tu peux pas savoir comme il était content de faire le voyage avec la petite puis moi. Oui. Tout le temps, il a été dans une humeur des beaux jours. Aussi, il n'y a plus question pour moi de chercher bien loin ce que j'ai à faire. Je me passionne de plus en plus pour les chevaux, puis j'ai l'espoir d'en faire une carrière.
Ben oui, j'ai constaté ça pendant le voyage de retour, là, que c'est vrai que t'es aussi mordu que ton père à ce sujet-là. Lui et toi, là, vous avez pas arrêté de parler de courses, de brossage, d'entraînement de poulet. Ma pauvre vieille, tu dois vraiment nous prendre pour deux maniaques. Ben, à vous entendre parler, là, je me demande si j'aurais pas aimé ça, être police montée. Ben justement, tu peux pas savoir comme papa était fier de voir que j'étais devenue aussi maniaque des chevaux que lui. Oui. C'est plutôt toi qui dois être tannée d'entendre parler de tout ça. Oh, c'est bien sûr que je suis plus habituée à faire démarrer ma voiture là, quand elle est prise dans un banc de neige qu'à faire de l'équitation. Mais quand même, j'aurais aimé ça être police montée. Puis si tu veux savoir, je suis bien contente de te voir dans cet état d'esprit. Mm-hmm. T'as vraiment l'air d'aimer ta nouvelle profession, hein? De te plaire avec nous autres. J'ai peut-être des chances de pas devoir partir d'ici un bout de temps. Hey, tu peux pas savoir comme j'ai travaillé là-bas. À part ça, l'effet que ça fait de voir des chevaux que t'as aidé à naître et de finir gagnant. Alors, pendant les courses, là, je m'époumonnais à crier tellement j'étais heureuse. Tu sais, c'est décidé, hein? Je vais passer ma licence de jockey dans quelques mois. De jockey? Mais tu folle! C'est comme je te le dis. Comme ça, c'est moi qui serai sur les selkies pendant les courses. Si ça a de l'allure. Mais si on m'avait dit ça quand on était petite, que tu deviendrais jockey... Ben, si on m'avait dit ça à moi, que tu deviendrais police... Et à part ça, j'ai hâte de voir. T'as hâte de voir Martin, hein? Ben oui. Je te l'avoue, je pense que je suis tombée en amour. Tranquillement, sans trop m'en rendre compte. Ben vrai, là, t'es sérieuse? T'es poignée? Comme tu dis, me v'là poignée avec un gars qui rêve de sa petite femme, de ses petits-enfants, de sa petite maison. Ouais, ben... Hey, dis-moi la vérité, là, depuis que je le connais, j'ai-tu changé? J'ai-tu l'air plus pantoufle? Pantoufle? Oui, peut-être un peu. Non, mais ce que je remarque, là, c'est que t'es moins agressive, hein? Moins inquiète, surtout. Oh, je te dis pas que je passerai ma vie avec Martin. Non, ça, j'y crois pas. Mais il y a un côté sain, pas trop compliqué, qui me repose. Il me semble qu'il a l'air de quelqu'un qui rêve plus grand que tu t'imagines. Puis après... D'accord, on se ressemble pas une miette. Mais comme il est, j'ai décidé d'en profiter. Hey, tu te figures pas que j'ai quelque chose contre, là? C'est pas ça pantoute. Ève-Marie, promets-moi une chose. Si tu me trouves trop pantoufle, là, trop accrochée, puis en train de découper des recettes de cuisine, tu me préviendras, hein? J'ai bien peur que ce soit jamais ton problème. Mais c'est promis, je te lâcherai un whack. La la la. Vous faites? Hein? Ah, vous faites votre petite sieste? Ah non, pas tout, pas tout. Ah, parce que je pensais que depuis quelque temps, l'après-midi, vous faisiez un petit somme. Non, dans le temps, quand j'étais opéré, là, je voyais plus clair, j'attendais mes lunettes. J'avais plus quoi faire de mon corps, fait que je me laissais pogner pendant l'endormitoire. Pauvre papa. Vous avez dû partir, hein? Ben, dis-donc, toi, là. Quand tu repars en grande. Ah. T'as une paire à sortir? Et vous, je vais faire un petit tour chez Berthe. Ça va me faire du bien pour ma première sortie. Et vous, papère, que vous restez ici? Ouais, j'ai bien de quoi m'occuper, surtout. C'est parce que le vendredi, les enfants sortent tôt de l'école, hein? Puis quand ils reviennent à la maison, puis qu'il n'y a personne, ils mettent tout à l'envers. J'aimerais ça que vous leur jetiez un petit coup d'œil quand ils seront rentrés. Je vais faire ça pour toi. Oh, j'ai bien hâte de voir comment ça va chez Berthe. Si l'atmosphère est moins triste. Ben, je suis allé l'autre jour. Je pense que ça va mieux. Je ne veux pas dire que c'est encore la grande réjouissance, là, mais Laurent, il s'occupe, puis il bricole. Il bricole dans le haut, là, dans le pointu. Il est en train de se faire un bureau. Non, c'est vrai. Il veut se faire un bureau. Ça veut dire qu'il pense à faire autre chose, hein? Qu'il prépare l'avenir. Je pense qu'il va s'en tirer, papa. Comme ça, t'es allé à Saint-Thomas chez les Bérubé? Ben oui. Je vous dis que c'est pas tout rose, hein? Monsieur Bérubé me racontait ça, il est pas sorti du bois. En ce moment, avec sa porcherie, il fait aucun bénéfice. Qu'est-ce que tu veux? La crise est pas finie, hein? Ouais. Élisabeth m'en parlait aussi, elle est un peu découragée. Ah, à un moment donné, ça s'est mis à mieux aller, mais là, c'est encore pareil. Elle est bien serrée dans ses finances, la pauvre. Ah, ça a monté trop vite, la production du porc de par chez nous. Pas plus planifié que ça, ben, c'était fatal là, qu'à un moment donné, la situation explose. On sait plus quelle mesure prendre.
On a beau suivre toutes les réunions de l'UPA, écouter les producteurs de porc, discuter avec tout un chacun pendant des heures, on ne sait pas encore comment ça va finir. Ouais, c'est vrai, ça. Ça allait pourtant bien pendant quelque temps. Après tout, c'était bien à notre tour d'avoir un peu de satisfaction puis de pouvoir vivre un peu plus à l'aise. Ouais. Ça va pas durer longtemps. Nous voulons encore pris à rogner sur tout. Pauvre ta mère, là, qui me demandait tout à l'heure quand est-ce que je ferais les rénovations dans la maison. Il y a 6 mois, j'en parlais encore. Mais à cette heure, comme ça va là, j'ose plus. J'ose plus bouger. T'attends. T'attends à quoi? Je voudrais bien savoir. Ouais. D'après ce qu'on lit à droite puis à gauche, tout le monde attend partout, comme vous dites. Attends à quoi, ça? D'habitude, quand ça va aussi mal que ça, ça veut dire une nouvelle guerre mondiale. Ben, il manquerait plus que ça. Mais c'est bien trop vrai, ce que tu dis là. C'est toujours de même que c'est fini quand ça va trop mal partout en même temps. Natalisme. Hein? Oui, un instant, j'y vois. J'y vois, là. Ah! Mlle Leroy! Bonjour, Monsieur Jacquemin. Je m'excuse de vous déranger, hein? Non, ça ne dérange jamais de voir une belle femme comme vous entrer dans ma maison. Hein? Une belle petite comme cette petite-là. Je cherche Martin. J'ai cogné de l'autre côté, mais je pense qu'il n'y a personne à la maison. Non, ils sont tous partis à l'ouvrage, bien sortis. Oh, au garage, on m'a dit que Martin devait être ici. T'es allé à Joliette acheter une pièce de rechange, une pièce bien particulière. Et il m'a dit qu'il passait par ici avant de tourner au garage. Espérez-le, assisez-vous. Non, je ne vais pas vous déranger. Oh, regarde, c'est vrai qu'à mon âge, rien qui presse et qui dérange. Hein? Bon, mais d'accord. On va entendre Martin avec vous d'abord. Ah, ben, elle peut faire un dépôt de nanane pour une belle petite fille comme elle, là. Attends, ouais. Oh! T'es un beau nanane. Oh, t'es chanceuse. Merci. Hein? Ah, t'es bien fine. Déshabite un peu, tu vas avoir chaud, là. Oui. Bon. C'est ça. Ben, assis-vous dans sa berceuse. Vous savez que Martin vous aime beaucoup. Ouais, ça lui fait bien du monde aimer cet incite. On peut pas dire qu'il vous haït, vous non plus. Je dirais même que vous occupez une grande place dans sa vie. Oh, c'est un ami bien agréable, Martin. Mais je vous ai dérangé. Non, pas en tout. On vous lisait ce livre-là? Ouais, c'est un livre de Gabriel Leroy, il est bien beau. Ben. Oh, sûrement. Je l'ai beaucoup aimé, moi. Mais je savais pas que vous lisiez. Voyez-vous ça. Il y a bien du monde comme ça qui s'étonne qu'un vieux de mon âge aime ça lire. Je sais pas, c'est un goût qui est en moi depuis tout le temps, je pense. Peut-être parce que je suis pas allé à l'école bien longtemps, hein, tout jeune. C'est ma grande sœur qui m'a appris à lire. C'est avec elle que j'ai appris. Mais dès que j'ai su lire, c'était comme un miracle pour moi, là. Je lisais toutes les bouteilles, les journaux, les cartons qui venaient de l'épicerie, les boîtes de carton, tout ce qui reste sur, je lisais ça. Chaque mot nouveau, là, c'était comme une divinette pour moi, un jeu nouveau. Je pense tellement comme vous, M. Jacquemin. Lire, c'est sûrement le plus beau des passe-temps. Ah oui. Martin a bien raison de dire que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Ah, Martin, plus moins bien attaché l'un à l'autre. Ça a été, Martin, il a été autant le mouton noir de la famille. Hein. Et moi, j'ai toujours eu confiance en lui. J'avais confiance, je savais qu'une journée, là, il serait capable, le moment venu, autant qu'un autre, là, puis qu'il en sortira de sa crise. Ben, j'ai eu confiance, j'ai eu raison. Mais vous, vous occupez des fous chez vous. Ben, ça a tout l'air que je vais en faire un métier, finalement. Vous êtes comme, entraîneur? Le vrai mot, en fait, c'est palefrenier. Mais je vais passer ma licence de jockey dans quelques mois. Jockey? Il y a des femmes jockey? Mais bien sûr, il y a des femmes partout maintenant, ou presque. Ah oui, bien sûr. J'ai rien de contre ça. À Québec, pour ma part, je comprends bien ça qu'on aime les chevaux. Je me suis toujours dit qu'une terre ou une ferme où il n'y a pas de chevaux, c'est pas pareil. Mais ça doit vous faire une vie mouvementée. Oh, ben je m'en plains pas. Gladys non plus, on s'arrange bien. Ah, pauvre petite fille, elle a trouvé ça plate. On est là qu'on parle tous les deux. Attends, je vais l'amener. On va aller voir les grosses vaches et les petites poules. Pensez-vous qu'elle aimera ça? Oh, j'en suis bien sûr. Vous ne deviez pas arriver seulement demain, vous? Ben justement, c'est une surprise que je vais faire à Martin. On est rentré une journée plus tôt. Bon, là, suivez-moi, on va aller visiter mon nouveau poulailler. Tiens. Sont belles mes poules, hein? Regarde les deux coucous que t'ont fait. Tu auras 2 œufs pour souper à soir. Vous avez un bien beau troupeau, M. Jacquemin. Des vraies belles bêtes. C'est mon fils qui a commencé ça il y a quelques années. Des belles vaches de race. Parfait!
C'est que vous êtes dans tout le monde. Le père, êtes-vous d'un parage? Par ici, ou en Martin? Hein? Véronique? Oh, c'est pas vrai! On est rentré une journée plus tôt, Martin. J'avais tellement hâte de te voir. Et que je suis content de te voir. T'es revenu peut-être ici de chez nous. Oh, ben, tu parles d'une surprise, toi. Jadis, ma petite fille, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Oh, Martin, content de te voir. Ouais. Mais oui, pépé, on s'aime. C'est vrai, Monsieur Jacquemin. Ah, ben, OK, je m'en doutais un brin, hein, mais... Je pensais pas que c'était rendu... Au point. Où nous en sommes, c'est ça que vous voulez dire, hein? Eh bien, j'en apprends des choses. La petite aussi, hein? Ah, oh, elle renseignait à ça. Elle savait pas trop comment les œufs arrivaient dans son assiette. Hein? Maman, papa, si ça vous adonne, bien sûr. Après vous, je veux continuer la ferme Jacquemin. Je suis prêt à m'associer, puis plus tard à racheter. Est-ce que vous en pensez? Et ta profession? Oh. Ça veut dire que tu resterais définitivement ici? Ça va bien, moi, que la ferme Jacquemin se vendra pas de sitôt, hein? Ah, oh, c'est idiot possible que t'aies eu cette idée-là, mon gars. Tu as pas pensé? Ah, ben, c'est depuis Noël que je mijote ça, papa. Avant tout, voyez-vous, je suis un habitant, un agriculteur. J'aime ça m'occuper du bétail puis de la ferme. Ici, j'ai retrouvé ma sérénité. Or, pas le bonheur, bien sûr, mais le plaisir de vivre, de travailler... Puis de partager avec tous vous autres. Puis, vous voyez quand même, je garde suffisamment de ma clientèle pour pas renoncer à mon métier de vétérinaire. Oh, Joseph. Ah, Joseph, tu peux pas savoir. C'est tellement merveilleux. Ah, je suis heureux, mon gars. Vous vous rendez-vous compte, toi deux, là? Ah, je vais à nouveau savoir pourquoi je travaille, pourquoi j'ai voulu guérir, puis on va pouvoir faire des projets, des améliorations. C'est bien sérieux, Joseph. Ah, craignez pas, papa. Je suis pas le genre girouette. On dit que je vous ressens. Alors, si ça vous agrée, bien sûr, moi, je suis tout à fait certain. Puis, je suis prêt à faire des projets avec vous autres. Et qu'est-ce que vous en pensez, pépère? Vous dites rien? Moi, je dis rien, parce que j'ai plus rien à moi. Tout est à ton père, mais, par exemple, je suis heureux. Vous pouvez mourir heureux. Hey. Hey, non, je suis pas pressé, crains pas, je suis pas pressé partout. Oh, mon Joseph.